Alors je dirais qu'un territoire positif, c'est un territoire qui travaille avec sa population et développe des actions qui sont vraiment connectées à la spécificité du territoire. Un territoire positif, c'est un territoire qui inclut l'ensemble des acteurs, qui réfléchit avec l'ensemble des acteurs de ce territoire, quel qu'il soit. Bon, effectivement, je travaille plus avec les acteurs du monde agricole, mais en fait, le sujet de l'agriculture, c'est un sujet qui connecte énormément de choses. Donc, qui travaille avec tous ces acteurs. Et un territoire positif, c'est un territoire qui regarde l'avenir, mais sur le temps long, qui ne travaille pas qu'à l'échelle du temps politique, il travaille à l'échelle des générations. Donc il se projette dans le temps long et qui est capable d'anticiper l'avenir et d'avoir une vision prospective de ce qui va se passer sur le territoire pour mettre en place ces politiques publiques qui vont faire que ce territoire va être durable. Pour moi, la ville du futur, il ne faut pas qu'elle se regarde que toute seule en tant que ville. La ville du futur, il faut qu'elle regarde l'extérieur de la ville, et notamment les campagnes qui l'entourent et le monde rural qui l'entoure. Il y a un vrai enjeu à créer du lien entre les zones rurales et agricoles et la ville, puisque c'est l'agriculture qui va nourrir les populations des villes. Et cette agriculture-là, elle est présente à proximité de nos villes, et il y a vraiment un enjeu de dialogue à avoir entre le monde agricole et la ville, donc les agriculteurs et les consommateurs du monde urbain. Je dirais rencontres. Ce qui est intéressant au LH Forum, c'est les rencontres. C'est les gens qu'on peut croiser, les échanges qu'on peut avoir, des gens de tout milieu, qui ont des démarches totalement différentes et qui se rencontrent et qui échangent à ce moment-là.